L'Éternel, Dieu Israël, je te bénis en ce moment parce que tu es le Créateur. C'est toi qui as créé l'homme et tu lui as confié le pouvoir de la procréation. Et voilà, au travers ce couple, Seigneur, je nous envoie un enfant de plus. Je sais que tu es Dieu, tu bénis autant voulu et tu fais grâce à qui tu es. Voilà combien en ce moment tu as encore dans le bus. On sait ce couple. Pendant qu'il y a des femmes et des hommes qui cherchent des enfants. Mais la grâce, donne le Seigneur éternel, au travers de ce couple. Voilà pourquoi nous te sommes reconnaissants. Je bénis ton Seigneur, la nom de Dieu. Et je viens une fois de plus te confier cet enfant, ton de père. Que la main de Dieu soit sur cet enfant. Oui, oh Dieu, il est écrit. Que l'enfant, Seigneur, qui provient de toi, c'est une bénédiction. Et la Bible dit, il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je confie la vie de cet enfant de ta main, Seigneur, tout esprit, tout pouvoir maléfique qui pourra poursuivre la vie de cet enfant pour détruire sa vie, ton physique ou spirituel, ton moral ou intellectuel, je le brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans ta main, Jésus, accorde à cet enfant l'intelligence et la sagesse. Que cet enfant soit une bénédiction au Dieu. Bénis cet enfant. Ouvre le Seigneur de tous ses cieux et prononce un seul mot en ce moment. Et que ce mot accompagne la vie de cet enfant jusqu'à l'éternité. Accorde à cet enfant, Seigneur, l'intelligence et la sagesse. Donc je me lève et je m'oppose contre toute puissance. Je sais qu'au travers de cet enfant, il a le sang. Le sang qui provient de sa mère et de son père. Oui, au travers de ce sang, il y a des lois, il y a des hôtels, il y a des alliances. Seigneur, je ne veux pas en ce moment, et je déclare comme ton serviteur, toute alliance, tout hôtel qui est établi, Seigneur, au travers le sang des familles, je le brise maintenant au nom de Jésus-Christ. Que cet enfant, Seigneur, or qu'il entre dans une deuxième alliance, qui est l'alliance des sangs de Jésus, et que le sang de son père, les sangs de sa maman soient anéantis avec tout pouvoir de famille au nom de Jésus-Christ. Si dans le sang de son père ou le sang de sa maman, il y a un esprit de blocage, il y a un esprit de divorce, il y a un esprit de pauvreté, dans la vie de cet enfant, oh Dieu, que cet enfant soit épargné de tous ces esprits qui sont liés au sang au nom de Jésus-Christ. Oui, et dans ta main, tu es dit, nous croyons et le yib, que le diable ne donne jamais des enfants. Mais les enfants proviennent de toi. Et donne ta main et accompagne cet enfant, Seigneur. Que cet enfant vive tes merveilles. Quand il grandira, Seigneur, qu'il vive tout simplement ta volonté. Parce que tu avais dit aux disciples, quand vous priez, dites que la volonté de Dieu soit faite. Et nous déclarons maintenant que tout le temps que cet enfant vivra sur cette terre des hommes, il vivra sous, Seigneur éternel, ta volonté. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous te disons tous Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Bien-aimés, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?